Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. Maman, est-ce que je peux aller jouer dehors? D'accord, Trotro, mais d'abord, maman veut un gros bisou de son bébé adoré. Bébé? Pff, mais maman, je ne suis plus un bébé. Je sais, Trotro, tu es un grand garçon maintenant. À tout à l'heure. N'oublie pas de mettre tes bottes en caoutchouc pour sortir. Oui, maman. Les bottes de papa, qu'est-ce qu'elles sont grandes! Wow, ah, si je l'aimais, je serais grand. Je fais des grands pas comme papa. Facile, maintenant que je suis grand. Hop, 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 vitesse de grand. Hop, hop, hop. Vitesse de grand. Salut les copains. Vous avez vu comme je vais vite? C'est parce que je suis un grand. Hop, hop, hop. Hé, hey, Trotro, tu viens jouer au ballon avec nous? Non, je ne joue plus au ballon. Eh ben pourquoi? Tu ne vois pas? Parce que je suis un grand et le ballon c'est pour les petits. Bon, comme tu veux, Trotro. Fais la passe, Lily. Comme je suis un grand, il faut que je vous surveille. Oh oui, but de Bobo. But, 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 but. Tu as tiré trop fort, Boubou. C'est dangereux, le ballon c'est terminé. Allez, Trotro, rends-nous le ballon. Non, terminé, c'est terminé. Viens, Boubou, ce n'est pas grave. Allons faire du toboggan. Attendez, les petits, je dois vous surveiller. Yahoo! Youpi! Attention, les petits, pas trop vite. Viens, on descend tous les deux en même temps. Youhou! C'est interdit! C'est dangereux de faire du toboggan à deux! Mais toi, tu le fais tout le temps d'habitude! Oui, mais maintenant, je suis un grand! Je dis que c'est dangereux! Tiens, prends un bonbon, Boubou! Moi aussi, j'en veux bien un, Lily! Ah non, Trotro! Les bonbons, c'est pas pour les grands! C'est pas juste! J'ai une idée! Tu es prêt? Oui, Lily! Yahoo! Chaussures. Encore un tour. Allez quoi, rends-les-moi mes chaussures. Youhou, Youhou. C'est quand même plus rigolo d'être petit. Maintenant, une roulade en arrière. Oui. Bonjour, Boubou. Quel beau ballon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu veux jouer avec moi, Trotro? Oh oui, bien sûr. Tiens. Ah, aïe. Oh. Ce n'est pas un ballon à rattraper avec la tête, Trotro. Non, c'est un ballon à renvoyer avec le pied. Hé, hey, mon ballon! Le premier qui l'attrape a gagné. Ah! Où est mon ballon? Il est perdu? Il ne doit pas être bien loin. J'ai une idée! On va faire une chasse au trésor! Et le trésor, c'est ton ballon! Le premier qui le trouve a gagné. Toi, tu cherches dans le potager et moi, dans le massif de fleurs. D'accord, Trotro. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est?
Trotro, viens voir. Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde. Oh, je n'en ai jamais vu un si beau. Regarde, Boubou, j'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Oh, trop, j'ai trouvé des fraises. Elles sont bonnes, on les cueille toutes. Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, trop, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo, ce sont des morceaux d'assiettes. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh, j'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon? Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. Je suis grand. Je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça, il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour trop. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa! Papa! Mais... Papa! Je suis là, trop! Oh! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, trop. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, trop. Des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu ne crois pas que c'était un peu trop, mon trop? C'est tout ce qu'il faut prendre pour trop. Oh.
je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant les chaussettes. Enfin, les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet et mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh, viens dans l'autre trou, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Oh. Trottinette? Ouais! Elle est belle! Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite! Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo! Non! Tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum! On fait la course si tu veux! Le premier qui fait le tour du jardin a gagné! D'accord! Boubou, tu es l'arbitre! Tu vas voir! 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily
est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Ha ha! Encore une fois! Hi-hi-hi. Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Mais c'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné! C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non! On refait la course, Lily? Non! Ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat! Le premier arrivé a la plus grosse part! Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas! Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement. Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, trop, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh. Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, trop, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Bravo, papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, trop. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas. Je te passe trop. Tiens, trop, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? Réveille-toi, trop. On part en vacances tout à l'heure au bord de la mer. Non, j'ai encore sommeil. Je dois faire ma valise et toi, trop, ton sac à dos. Quand tu seras bien réveillé,
Choisis les jouets que tu veux emporter en vacances. Je les prends tous. C'est impossible, mon Trotrot. Prends seulement les jouets qui tiennent dans ton sac. Lève-toi, Nounours. On part en vacances. Tu verras, Nounours. La mer est toute bleue, un peu froide, avec des grosses vagues. Et puis, il y a du sable. C'est très doux pour les pieds. Quand on sera sur la plage, je te ferai une petite piscine pour te baigner. Et moi, je vais demander à maman de m'acheter un filet pour pêcher les crevettes. J'aime bien les crevettes. Viens, on va choisir mes jouets. Pour faire des châteaux de sable, j'ai besoin de ma pelle, de mon seau et de mon râteau. Oh, mon canard jaune! Tu comprends, Nounours, il a peut-être envie de se baigner dans la mer. C'est plus amusant que dans la baignoire. Mon avion aussi. Dans le sac. Ma locomotive. Voilà, j'ai fini. Et maintenant, mes petites voitures. Vroom, vroom. Oh là là, le sac est bien rempli. Et mes bouées? Je ne peux pas nager sans mes bouées. Il faut que j'enlève des jouets. Et voilà mes bouées. Je les ai trouvées. Mais comment faire pour tout emporter? J'ai besoin de mes voitures pour faire des routes dans le sable. J'ai une idée. Je suis sûre que maman l'a rangée là. Voilà, je l'ai trouvée. Tiens, Nounours, c'est toi qui porteras les petites voitures. Et voilà, Nounours, ton sac est prêt. Tu as fini, Trotro? J'ai choisi mes jouets et ils tiennent tous dans mon sac à dos. Regarde, maman. Bravo, Trotro. Tous tes jouets? Et Nounours, il a aussi un sac à dos comme moi. Pour partir en vacances, Nounours et moi, on a chacun son sac à dos. Et alors, le léopard s'enfuit et le crocodile plongea dans la rivière. Voilà, l'histoire est finie. Maintenant, vous allez dessiner les animaux d'Afrique. D'abord, le soleil, parce qu'il fait très chaud. Je suis avec mes amis en Afrique. On joue à faire la course. Oh là là, vous courez plus vite que moi. Dépêchez-vous de dessiner les enfants. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je n'ai pas encore fini mon dessin d'Afrique. Mais maintenant, je ne suis plus fatiguée. Je vais vite dessiner tout mon rêve.
Ça y est, j'ai fini mon dessin. Bravo, Trotro, c'est magnifique. Mais tu n'as pas oublié quelque chose, là? Ah oui, je n'ai pas mis mon nom. C'est le dessin de Trotro. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà, je l'ai trouvé. Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant... les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée. Je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman. Ils vont être étonnés. Papa, 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 papa. Tu as vu mon t-shirt? Oh, superbe ce tigre, Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt, Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Boing, boing, j'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, Trotro? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, Trotro, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Joli tir, Trotro. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi?
Pas maintenant, Trotro, tu vois bien que je suis occupé. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, Trotro. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon. Et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, 20. Bonjour, Lily. Tu joues avec moi? 9, 12. Hein? Non, pas maintenant. Parce que là, je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 79, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, Nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là, le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'herbe. Ha 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 ha! Oh! Ha 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 ha! Trop trop? Hein? Quoi? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh. Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotro? Trotro! Oh. Et si on faisait une partie de ballon tous ensemble? Oui. Vous voyez bien que je suis déjà occupée. Pas maintenant.